Good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So on today's episode, we will be visiting Dualor Art. And you know, as usual, I bring you guys along every experience, every step of the way. So what is Dualor Art? Dualor Art is a contemporary art center and an experimental laboratory for new urban practices in African cities. Its artistic policy is oriented towards accompanying and supporting artists who are interested through their research practices in urban issues. The art center in the Dualor Art Space presents an average of 8 exhibitions by contemporary artists of all nationalities. The Espace Dualor Art invites artists to intervene in public space of the city of Dualor. More than 60 artistic projects and events, temporary and permanent, have been offered to the city of Dualor. The Dualor Art Center periodically organizes creation workshops by artists resident in Dualor. Contemporary creators who also work in Dualor Art are visual artists as well as architects and designers. This is Chimex, and on this episode, we will be visiting Dualor Art. Hello guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. It's your boy Chimex here again and bringing you another exciting and amazing yet exclusive destination known as Dualor Art. And with me, I have the staff from Dualor Art herself, Madame Josian. Good afternoon. Good afternoon, Chimex. So we are at Dualor Art. How do you say Dualor Art or Dualor Art? Dualor Art. Okay, Dualor Art. Like two words. Okay. So, what is Dualor Art all about? Je suis pas en français. En fait, Dualor Art c'est une galerie d'art, en fait, qui fait de la promotion de l'art. Donc il a été fondé par Merlin, la princesse Merlin Dualor Mangabel, qui est une descendance de Dualor Mangabel, l'acteur qu'on connaît dans l'histoire du Cameroun. Donc ici, on fait de la promotion des artistes, on fait un suivi d'artistes. Donc on voit leur évolution et le jour où on voit qu'ils sont prêts, on les expose. Ok. I had the opportunity to take a little stroll with my brother Joe, who works at Dualor Art, and he showed me this amazing artwork by Mr. Heavy Yamgen. These are birds sculptured in metal in the form of human beings. But like they say, only an artist can best explain his craft. But this is an amazing work of art. Beautiful. So this place is an amazing art gallery. But just stay tuned, you will get to see the art soonest. Welcome to Dualor Art, where art lives. Beautiful paintings,
beautiful stories being told. Only an artist can well interpret his craft, and that's why I won't do any interpretation for these paintings. Look for yourself, admire, and interpret it in your own way, what you think they represent. Whatever you decide is good enough. Stay tuned for more coming. Every piece of artwork you see here was done by a lady, and I'll be having a little bit of chat with her to know what inspired her to create such wonderful pieces of artwork. Stay tuned. I'm here with the brain behind this wonderful painting. And guess what? It's a woman, an African woman. Ladies, this should serve as an inspiration. C'est une inspiration que vous aussi, les ladies can do it too. Les femmes font les mêmes choses comme les hommes. So, bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que l'inspiration dirait? Parce que j'ai vu beaucoup de bons. Many beautiful artworks here, and I was very happy it was being done by a woman, Madame Christine Sala. Okay. So, what was the inspiration behind this? Okay. Bonjour et bienvenue dans mon exposition multimédia. En fait, je suis artiste, peintre, installation, j'écris aussi un peu. Mon inspiration vient de la société, de là où je vis. Et donc, ici, j'expose et je m'expose. Ça veut dire que je me suis mise à nu. Ça, c'est un nouveau cycle de travail qui parle de la société dans laquelle je vis. Ça parle du cri, ce cri qui me vient de l'intérieur. C'est un état d'esprit, un état d'âme de tout ce que j'endure. Depuis des années, ça s'est emmagasiné en moi et le moment était arrivé que je pousse ce cri-là. Et de vous le présenter sur différents supports et de voir si vous aussi, vous avez votre cri à vous et qu'ensemble, si nous crions ensemble, je pense que ça fait une force. Et donc vous allez voir les dames qui ont les gueules ouvertes. Je fais un clin d'œil à mes sœurs, à mes frères qui sont au Nozo. Par exemple, la toile qui est de l'autre côté là-bas, le râleur,
c'est parti de cette période où on montrait les familles qui se cachaient dans les forêts. Et j'ai vu cette femme défaite, défraîchie, vraiment avec une mine épouvantable. C'est ce que j'ai représenté là. C'est une dame qui crie, qui pleure, qui hurle sa douleur. Et donc voilà. Donc vous pouvez faire le tour. Et puis aussi j'ai fait un clin d'œil aussi à cette société où les médias, les fake news, ça nous enveloppe et nous déstabilise. Donc l'installation qui est self-service là, les espèces de têtes là dans les frigos, et donc qui parle de cet aspect là, de l'homme qui est devenu un élément, un objet qui se retrouve dans le frigo. Pourquoi le frigo? Normalement, on devrait avoir une bière, une bouteille d'eau, mais on se retrouve là. Donc, c'est une exposition qui remet en question certains éléments qui troublent notre société, qui nous déstabilisent. Moi, je suis de cette génération. Je vais dire que nous sommes une génération sacrifiée. Et je hurle, je crie. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. So there you have it. Visit Douala Art. Visit Cameroon Has It All. Beautiful paintings and artists in Cameroon. Visit Cameroon. Visit Douala Art. And visit Douala. And every other region in Cameroon. Because Cameroon is rich in culture, in people, and in everything. Thank you. And see you on the next one. Out with Chimex. Peace out. These paintings are going to be up right up to the 24th of April 2021, so you can visit anytime to view this amazing art. And this is her Instagram page. You can visit it. You can leave a message of congratulations and everything. These arts are up for sale. If you have money, buy them. And these are the various projects which Douala Art has given to Douala.